Message ça est vraiment important et conséquent pour tout le monde qui fait partie des programmes Biden. Nous avons une très bonne nouvelle pour chaque bénéficiaire et ou même qui prend route Mexique pour entrer dans le pays États-Unis ou de regarder vidéo ça parce que est vraiment important et conséquent pour vous. Dans le moment que nous avons parlé là, en pile le monde commence à jouer une chance dans le programme Biden. Le monde mois de mai, il y a de très bonnes nouvelles pour USCIS commencer à entrer dans le dossier Moun Mouad Meyo. Évitez de regarder la vidéo, ça, revenez enfin, parce que nous avons en pile d'informations pour vous. Profitez de saluer chaque grain de monde qui a suivi la vidéo. Si ce n'est pas ça, vous avez l'habitude de regarder nous pour vous abonner. Évitez de faire ça pour nous. Like vidéo, ça, posez des questions pour nous dans l'espace commentaire. Et l'offre de garder, n'a pas évité ou partager de tous côtés, sur tout groupe et sur toute plateforme, par une famille, par une amie, depuis que vous pensez y a bénéficié de la donne. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous dire dans l'intro vidéo, nous avons en pile d'informations pour vous qui sont importantes, qui vous doivent connaître. Qui est dans le programme humanitaire, nous avons une bonne nouvelle. Et les gens qui prennent route, Nicaragua, rentrer Mexique, pour rentrer aux États-Unis, vidéo ça n'est pas supposé rater le même. Parce que nous avons en pile d'informations, nous allons partager ensemble avec vous. Mais avant de rentrer dans le dossier, nous allons répondre à une grande question qui est vraiment importante. Et après, nous allons faire ouais et nous allons dire qui ça fait. Nous avons un message qui dit que nous avons deux petits personnes qui qualifient dans le programme Biden depuis 14 juillet. Nous ne pouvons jamais recevoir aucun Gmail sur le téléphone. Yo. Yo vin kon sa juste le 23 octobre. Et même 23 octobre là, yo al essayer faire CBP 1, yo pa jwenn accès pour yo fèl. Li mande nou comment nous capable aider nan ka sa. OK zanmi. Merci parce que vous faites nous confiance pour nous édifier. Question ça nous jwenn plusieurs moun. C'est ça que fait, les nous partageons une vidéo avec yon yon moun la ou pa prêter attention, pa garder lo avancé, ça nous pas responsable. Pour me répondre question là ensemble, USCIS depuis ces mineurs que ouyé. Ti moun sa yo fòk yo ajoute yo en bas yon grand moun, en bas yon dossier yon grand moun. Si ou pa ajoute yo en bas yon dossier yon grand moun, yo pap kite créer yon compte USCIS pou kon yo. Et ou pas capable de finaliser le dossier. Ça, c'est vraiment important. Si toutefois, qu'on y a là, si moun sa yo, yo ajoute yo en bas yon grand moun, le, pour faire CBP ou nan, ou gen difficulté, qu'on y a là, ou capable de quitter un message pour nous. En bas, vidéo ça, ou capable d'identifier, et puis nous partager, nous sommes capables d'aider, capable nous sommes capables de faire là. Et là, c'est gratuit qu'elle y est. Ok? Nous avons l'autre ami là, ce n'est pas une question, mais c'est une qui écrit nous sur Messenger qui a fait nous parler de ça. Parfois, nous disons vérifier et email yo. Email yo gen erreur là-dedans parce que USCIS gen pile moun la kapten nan janvier. Moun sa yo jwenn email de confirmation déjà, mais c'est erreur qui gen nan adresse yo. Yo pas prêté attention. Eh bien, nous avons un ami qui écrit nous, qui dit nous comme ça que. Il a dit bien mois janvier, il ne veut pas jamais jouer un email. Les que sponsor a vérifié, il voit que il y a une adresse email là. Et les nous font vidéo, nous toujours insister pour moun yo vérifier. Vérifier est-ce que ou pas une adresse email parce qu'il y a un peu de monde janvier qui pas supposé là toujours. Il est vraiment important et nécessaire pour chaque grain de monde qui attend là. Avant que moi j'ai un dossier moun mois de mai, information ça que m'va partager ensemble avec moun qui prend route Nicaragua pour entrer dans le pays Mexique et gen l'idée pour entrer dans le pays États-Unis. CBP on veut un message qui vraiment important. Tout le monde doit prêter attention. Depuis c'est moun qui fait route Nicaragua, qui nous dans programme Biden, qui nous pas dans programme Biden, qui arrive Mexique, les conséquents et impératif pour tendre ça nous va le dire là. Ambassade États-Unis dans le pays Mexique a annoncé que yon émission en direct sur page Facebook yo mercredi
cap 8 novembre cap venir là. Live ça pral fait pour permettre migrants qui Mexique toute nationalité, spécialement haïtien nou yo, poser question sous fonctionnement application CBP One. Jou ça c'est un jour pour chaque grain bénéficiaire et chaque grain monde qui prend route Nicaragua et rentrer Mexique, ta supposé prendre temps pour garder live ça parce que l'app utile. Et puis l'autre voie légale pour moun rentrer États-Unis. Pour poser question sur fonctionnement application CBP One et puis l'autre voie légale pour rentrer dans le pays États-Unis. Émission ça pour tout monde qui t'a remis candidature là la commencer à partir de 2h15 heure pays Mexique. 2h15 heure pays Mexique dans après-midi. 2h15 après-midi heure pays Mexique qui vraiment important. Annonce à venir dans moment que côté migrants yo pas suspendre prend route Nicaragua pour arriver Mexique avec espoir yo capable bon dans processus CBP One qui souvent prend en pile temps pour joindre une réponse la donne. Mesdames, messieurs, tendez bien toute frame spécialement haïtien qui prend le temps de vidéo ça. Sou gen famille qui prend route Mexique la partager information ensemble avec lui. Tendez ça m'bra di nous. On connaît nous négligent. Depuis que ou rentré Mexique ou rentrer illégal ou pas arrêter tant prend rendez-vous dans un port avec CBP One pour capable joindre papier même qu'il capable prendre une année deux années pour rentrer États-Unis ou ap déporté et ou pas jamais capable retourner dans pays États-Unis encore. Tout le monde cap tande là de pour rentrer illégal dans pays États-Unis dans moment que n'a parlé à là. Dans le moment que n'a parlé à la de pour rentrer illégal dans le pays États-Unis, il y a déporté ou et le déporté ou là, ou pas besoin accès encore pour rentrer dans le pays États-Unis encore. Ou a perdu tout ce que tu fait ou tu dépensé et zéro accès pour rentrer dans le pays États-Unis. J'en appelle dans l'écran là. Contrairement à ça, en pile moun te pense de Trump et Biden, eh bien administration Biden nan déporté en pile haïtien ak l'autre pays nan Amérique latine nan et nan Caraïbes la. D'après ça qui écrit dans un article in Times, mesdames messieurs, président Biden déporté plus haïtien que Trump pendant 3 ans mandat li gen tan fè ya. J'en ai regardé l'écran là. Ça c'est nombre de haïtiens président Biden dans 3 ans mandat que lui gagnant déporté qui donc 136561 haïtiens déportés, 764962 guatémaltais déportés, Honduras 759724, Mexique 628509, Salvador 543627, Cuba 327 432 et cubains, Venezuela 254736 déportés, Nicaraguayens 235188, Brésiliens 164720, Colombie 143133 et Haïti 136561 moun déportés pendant 3 ans administration Biden. Ça c'est annonce si ou rentre États-Unis dans moment que m'a parlé à la illégal ou franchi barrière frontière là ou bien passé en bagri ou rentre y a déporté ou et ou pas jamais capable une chance pour rentrer dans pays États-Unis encore. Maintenant mesdames messieurs moun mois de mai nous gagne des très bonnes nouvelles pour nous. Demain, si Dieu veut, nous allons partager un bilan ensemble avec nous. En pile, moun mois de mai commencé joindre email de confirmation. En pile, moun commencé confirmer dans programme humanitaire parole là, dans question aléatoire.
Là nous t'ap gade pour nous ni aléatoire ni dans premier entrée premier sorti USCIS moi était plus ignoré dans programme humanitaire parole là et bien nous gagne des très bonnes nouvelles pour mon mois de mai comment c'est fait que nous content parce que USCIS rivé sous dossier mon mois de mai ou gagne voir mon mois de mai ou pour joindre email mais patience parce que ça m'a gardé la quantité mon mois de mai nous comment c'est confirmé là mesdames messieurs ça c'est une bonne nouvelle pour moun mwa dmi ki pa di jam ti kon yo pa di jam ti kon jwenn email de confirmation yo gren de gren kon sa parfois USCIS confirmé m'espère que nous tout nous chaque gren moun k'ap tande vidéo ça n'a partager avec yon famille nous et n'a pran san nous pour tande information spécialement moun ki prend route Nicaragua pays Mexique yo pour rentrer États-Unis yo tande samedi a la m'pral mete link live là en bas vidéo ça pour capable gagner mercredi 8 novembre à 2h15 pays Mexique pour capable participer dans live ça pour capable tendre ça qui vous parle dire live là la fête dans plusieurs langues espagnol créole anglais prend sans nous pour nous capable tendre et poser question pour nous capable bénéficier en papier légal pour nous rentrer dans pays États-Unis. Merci avec nous toutes et nous chaque grand monde qui t'a porté écoute nous pour nous dégager vidéo ça de commencement arrivé dans fin. Bye bye à la prochaine. N'arrivons dans l'autre vidéo encore.